Et rebonjour à tous, c'est l'ami Fob à l'appareil, ou peut-être bonjour, peut-être que vous ne vous êtes pas encore présenté. On se retrouve sur la bêta fermée de Darktide car j'ai la chance de pouvoir y participer. J'étais parti dans l'optique de vous montrer quelques vidéos de gameplay de chaque classe. Donc là j'ai fait le Zélote, précédemment j'ai fait le Psyker et là on va attaquer avec le Vétéran. On pourra voir que toutes les classes sont quand même relativement différentes. Sachant que le vétéran, c'est celui avec qui j'ai fait le plus de parties. Donc on va rester en difficulté 2. Je vais essayer de montrer des cartes que j'ai pas faites, même si je me souviens plus de ce que j'ai fait ou pas comme carte. Comme carte, pardon, sur YouTube. On dit bonjour parce qu'on est bien élevé. Alors les noms correspondent pas du tout avec les gens de ma team, c'est assez bizarre. Metal Fab 36 is in trouble. The primary smelter's offline and production's crawled to a stop. Knowing our enemies, a demonic infestation seems Alors si on likely. regarde le pied Close gauche and de purge. Logreen, il y a une aberration. We need those production lines Il a une back down. protection sur le Don't let pied qui panic couvre son down. pouce, mais pas son petit orteil. Et je trouve que c'est très greedy de sa part. J'aurais fait l'inverse. Ah, ma souris qui met un petit temps pour se régler. Donc alors le vétéran, je suis armé d'une pelle. Merde, j'ai raté la porte. Je suis armé d'une pelle et d'un fusil d'assaut qui tire en semi-automatique. J'ai un pouvoir qui me permet de d'augmenter mes dégâts de 50%, c'est plutôt fort hein, pendant 4 secondes. Donc le vétéran pour moi est plus un perso axé sur la distance quand même. Hein. Je viens de sauver la mise à monsieur qui était derrière. On va les tuer, celui-là, ce qui me perturbe. Voilà, un grand coup de pelle américaine. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, ces pelles qui sont toutes petites et rétractables. Nous sommes prêts, monsieur, vous y allez. Bon, je vais prendre cher si je fais ça. Faut hésiter à spammer le pouvoir avec le vétéran parce que il remonte plutôt vite. Oh putain, il a tout. C'est bon. J'ai peur qu'il se prenne ma. Hop, on a le temps de changer d'arme et de bloquer le coup. Typiquement le genre d'action qu'il faut savoir maîtriser. Hein. Très important de savoir changer d'arme rapidos. Ok. On a tendance à se perdre, hein. Les niveaux sont relativement labyrinthiques. Bah ouais, je prends pas tout, messieurs. Ah, il y a un.
Un grimoire, je vais prendre le grimoire, du coup on va avoir un debuff sur nos points de vie. Mais bon, si on arrive à trouver le deuxième, je sais pas si c'est fixe ou pas, mais si on arrive à trouver le deuxième, on aura un bonus d'XP à la fin. Je peux l'équiper et le montrer d'ailleurs, j'ai vu ça dans une vidéo, ouais, c'est plutôt cool hein. C'est vraiment plutôt cool. Il y a des munitions là, personne ne les prend. Ok, là on va arriver vers une station de soins, mais de toute façon, avec le grimoire, on a forcément un debuff. Par contre, je peux pas prendre de trucs de munitions, enfin de caisse de munitions, de caisse de soins. J'ai mis du temps parce que j'ai galère avec ma souris des fois. Elle repasse en. Elle repasse à l'envers pour moi. Bref, je vais vous épargner les détails. Ok. Alors pour moi, il y a un bon spot qui existe de mettre là, mais bon, pas. Ouais. Oh putain. Ok, il y a eu un cri bizarre. Je pense que c'est un spécial, mais je sais pas encore lequel c'est. Arrêtez de tirer dessus. Trust ye, hatred kindred. There be no substitute for zeal. Oh dear, what you said, bruh. Donc je prends mon stack, même si voilà. Je pense pas que c'était vraiment utile de le poser là, mais bon. Je vais m'assurer. Alors, où est la sortie? Ça va être par là, a priori. Voilà, il y avait déjà munitions là, mais bon. Pourquoi tu... Il te met devant moi, quoi. Donc là, il faut tirer sur les bubons. Voilà, jusqu'à faire apparaître ça. Après, à cause de ça. Attention monsieur, il y a quand même des ennemis. Et une fois qu'on a fait péter les bubons, on peut partir un petit peu plus loin. La station médicale, ça m'intéresse, hein. J'ai pas fait gaffe. Certes, on ne regagnera pas toute notre vie à cause du grimoire, mais on peut en regagner une partie. Bon, ça c'est danger. Ouah, mais c'est quoi ça? Ah,
Ah, il s'est coincé dans un pilier. Lots of scratches. Alors explorer, ça permet de trouver du stuff hein, pour des munitions, de la vie, etc. Mais ça nous fait aussi perdre du temps, car comme dans tous les Left 4 Dead like, les hordes arrivent de manière minutée, tout comme les spéciaux. Et donc plus on prend du temps, bah, plus il y a des ennemis qui arrivent, tout simplement. Oh mais qu'est-ce que tu fais là-haut tout seul quoi. Oh là là, mais c'est tout en haut quoi. Je crois que c'est GTFO qui dit Stick Together or Die Alone. C'est tout à fait ça. Comment on est très sûr de soi en tout cas, il faut pas s'éloigner des potes. Hein. Bim, un coup de pelle dans la tête. Voilà, coup de pelle dans la tête. Ouais, mais fais le tir en reculant. Il change d'arme. Désolé hein, si j'ai des petits ralentissements toujours, mais... Là c'est le jeu... Oh putain... Ah putain mais il y en a encore. J'avais pas vu. Beaucoup de dégâts bêtement. Bon, je peux te savoir, est-ce que le grimoire est là aussi? Peut-être parti. Non. Ok. Pas stylé ce petit grimoire, j'aime bien. Moins organique que celui de Vermintide, mais pas stylé. Donc j'ai pas dit, hein, mais si on trouve les deux grimoires et qu'on les ramène à la fin du niveau, on va gagner un bonus d'expérience. Hein. C'est la quête secondaire qui s'affiche en haut à droite. Après, une fois de plus, je ne sais pas du tout où ils sont. Je sais même pas si leur position est fixe. Il me semble bien qu'il y avait des mecs derrière. Hop, elle esquive. Très important le son, là on peut voir que grâce au son j'ai repéré qu'il y avait un ennemi derrière moi. Putain, je sais pas comment je l'ai mis celle-là, mais c'est plutôt propre. Et donc là on va arriver bientôt à la fin hein, tout simplement de la map. Chier, on n'aura pas trouvé. Je mets la grenade les gars parce que je m'en sers beaucoup. Donc là il faut aller le plus vite possible vers l'objectif hein, tout simplement. Il va falloir détruire une série de bubons. Qui est un peu la représentation physique du chaos. Hein. Il va falloir tous les détruire pour finir la carte. Sachant que je sais déjà
Ils apparaissent à peu près, hein, ça va aider. Ah putain, j'ai pas touché là. Voilà. Oh putain, j'ai eu le chien. Allez, il faut enchaîner maintenant. Donc je viens de dire qu'il fallait pas partir tout seul, hein, mais je sais à peu près ce que je fais. Par chance, pour moi. Tac, ici c'est la fin. On va aller du coup par là-bas. Bon, je ne cours plus. J'aimerais bien me gratter en même temps. Tac. Un esprit ici. Merde. Et voilà. Et ensuite, le dernier va être par là-bas, là où c'est des. Se dessine, non, là où se dirige le monsieur là. Non, ah merde, ah bah ok, j'ai totalement tiré à côté. Moi, voilà. Et voilà. Oh putain. Comme il a explosé celui-là. C'est assez drôle. Ouais, ça c'est un jeu intelligent. Comme ça, il n'y a pas besoin de dire que tu m'inquiètes. Les gens vont forcément se diriger par là. Très bien vite, monsieur. Non, on n'est pas très bien passé en soi, mais bon. Derrière vous, messieurs. On peut se permettre de jeter des grenades, on en a plusieurs, c'est la fin de la partie. Dans le mot, il voulait pas venir entièrement. C'est con qu'on n'aille pas trouver le deuxième grimoire. Bon, elle est pas mal celle-là. Ouais, elle est pas mal du tout même. Allez, on y va. Un peu à la traîne. C'est ça, normalement, hop, un qui avance, le petit cul. Et voilà, on a fini la partie. Pas le temps de mettre un GG, mais c'est pas grave. Ok, ça commence à être compliqué de gagner des niveaux. Hein. Enfin, il faut faire deux parties.
Soit c'est pas très compliqué, hein, mais bon. Peut-être que ça voudrait dire qu'il faut que je passe au niveau de difficulté au-dessus. Ah, un petit disconnexion. Disconnexion? Une petite déconnexion du serveur, ça arrive régulièrement. Hein. C'est, pour rappel, c'est une bêta. C'est pour ça que c'est optimisé avec les fesses et je suis poli. Même si je doute que ce sera bien plus optimisé à la sortie, hein, qui est dans un mois et 15 jours. Ça sera peut-être même moins bien optimisé, hein. Ça arrive souvent que les bêtas sont plus optimisés parce qu'il y a moins de contenu. Je parle pas de le fait qu'il y ait moins d'armes ou pas à disposition, hein, mais voilà, il n'y a pas tout qui est là, donc parfois c'est mieux. Et voilà, du coup on va faire la pause sur la vidéo ici. La vidéo d'après, je vais jouer, comme on peut le voir, Logreen, qui est la classe que j'aime le moins pour le coup, hein, même si voilà, c'est mon avis pour une fois de plus. Donc je vais faire ma petite pause de 3 minutes et puis je reviens tout de suite après. À toutes.